va arriver, il fera nuit, je pense. Bon. Non, quoi que. Dans une heure, ouais, ouais, non, ça va. Je crois que c'est pas. 7h20, ça commence en ligne. Là, c'est là, après, il faut enfin, on va arriver à 10, vers 18h30, en fait. Comme ça, je comprends pas. Non, on change d'heure, là, c'est tout. C'est le dernier dimanche de l'année. Il me semble, ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est. C'est quand on aura une heure de plus. Une heure de plus, ouais. En soi, le trajet, si tu le fais sans voiture, c'est pas long, tu vois, c'est juste tous les feux rouges. Tout les feux rouges, les ci et ça, t'avances un peu, feu rouge, tu démarres feu rouge, tu démarres ah, feu rouge. Ah, c'est relou. Je finis à 19h50, je crois, comme ça. Ici? Ouais. Enfin, je suis censé finir à 19h51, donc. Parce que. Ouais, le métro. Ouais, non, ça arrive. Parce que après, moi, j'ai le 702 à 20h40. 702? À Roissy. Ouais, ça arrive d'être. Parce que. Ah, ça fait 50 minutes. Le Gare du Nord, il met à peu près 35. Et le métro d'ici à Gare du Nord, ouais, c'est 15. Ouais, donc, ouais. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est. Vaut mieux pas tenter. Ouais, c'est ça. À la limite, tu vas jusqu'à. Je sais pas, au milieu de ligne, je sais pas, tu descends où, mais non, en vrai, tu prends même pas de risque. Ouais, c'est ça. C'est le point rater le plus à attendre je ne sais combien de temps. C'est ça, en plus, toutes les une heure là, c'est relou. Surtout si t'arrives, comme on disait la dernière fois, si t'arrives 2 minutes après qu'ils soient partis. Ça m'est déjà arrivé, ça, mais laisse tomber. Depuis, c'est pas 19h30. L'erreur, il arrive à 42. Alors moi, j'avais la. Bonjour. Bonjour. Mais pourtant, franchement, le samedi, la ligne, elle charge. RERB 702. Il met un bus par heure, mais qu'est-ce que ça charge hein. Et en semaine, c'est quoi c'est... En semaine, c'est en fait en creuse, c'est un toutes les 1 demi-heure, un bus toutes les 30 minutes. Et en pointe, c'est à peu près 10-15 minutes. Donc, en vrai, ça va. En semaine, ça va, c'est tranquille. Et dimanche, c'est zéro. Dimanche, il n'y a pas de. Dimanche, tu sors pas. En fait, c'est quoi, j'ai appris, parce que je parlais avec un pote conducteur là-bas, et il m'a dit, ouais, en fait, c'est le maire qui veut pas. Le maire? Ouais, parce qu'il. Le maire de qui? De ma ville, Mont-Saint-Neuf. En fait, je sais plus, je crois que ma ville, elle paye à chaque fois que le bus il s'arrête à un arrêt. J'avais entendu ça. Et même IDFM et tout, ils étaient d'accord pour mettre les bus le dimanche. Mais lui, il a dit, non, c'est mort, il n'y a pas de bus qui passe chez moi le dimanche. Il a dit, non, c'est. C'est à cause de lui, il n'y a pas de bus. Ils avaient pensé à mettre des bus à l'allemande, ils appellent ça des TAD. Ouais, TAD, ouais. Ça a toujours pas été de ma place. Je sais pas, ils dorment ou quoi. Mais... Entre le temps où ils parlent de mettre ça en place et le jour où ouais, en place. Ouais, c'est pas du tout. Ça veut dire en fait, tant que t'as pas le permis, ben, le dimanche, ah, c'est dimanche, mort. T'es bloqué. Si t'as pas de voiture, c'est fini pour toi. Tu peux marcher, je l'ai fait une fois, c'est pas tout dangereux, non. C'est pas tout petit. En fait, ça dépend. Soit tu prends la route normale et c'est clair tout droit. Ou sinon, tu passes par les champs, mais ça te rajoute à peu près 20 minutes de marche. Donc, moi, je l'avais fait par la route et bon, ça va, il y a personne le dimanche. Vraiment, c'est vide. J'avais un trottoir et tout ou c'est tu non, c'est, tu marches au bout. Mais en fait. C'est des routes départementales. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'à côté, les champs, ils sont au même niveau de la route. Et si tu marches sur les champs à côté, c'est bien, tu vois. Quand il pleut pas ou quoi, quand il fait beau comme ça, tu peux le faire. Tu peux, ouais. Bon, quand il pleut, j'espère que tu tiens pas à tes chaussures. Ah non, ça, c'est sûr. Surtout si t'as une paire de mains, plein rangé, tu vas sur la terre.
comment ce soir ça va changer les cahiers? Ah, ce soir, bah, la semaine dernière, je suis resté jusqu'à 1h pour la garder. J'ai pas dormi. C'est mort. Donc, je sais même plus si j'avais regardé. Ma mère, elle m'a dit ouais, nana, tu seras fatigué. Je dis c'est pas bon. Je suis resté éveillé. Et quand j'ai vu la poule de Saïd, moi j'allais crier. Et j'étais trop content, mais vraiment. Pour 46 minutes, quand je l'ai vu, il est passé. Quand tu vois son départ. Ouais, en vrai, je pense que c'est de la faute de Russell. Ouais, il est arrivé comme ça. Il est comme un kamikaze. Déjà, j'avais la haine parce que j'avais occupé d'un camion qui fait la pole et tout. Il me dit là, j'y vais en intervalle, j'ai vu, il ruine la course. En vrai, il n'a pas tapé si fort que ça, j'ai l'impression. Oui, c'est. En fait, il a tapé la suspension. Au mauvais endroit. Et voilà, il aurait tapé sur le côté. Ça aurait cassé un peu la voiture. Il aurait peut-être perdu quelques km/h, ça va. Mais là, il a vraiment cassé la suspension, c'est fini. Ouais, il y avait une fuite hydraulique, je crois, comme ça. Ouais, c'est en plus déjà crevaison, alors le temps de revenir au stand et tout. Ça, ou même, moi, j'aurais bien aimé voir Hamilton gagner, tu vois, mais vas-y. Ah ouais, mais. En vrai, je peux. Si tu veux, vu que j'utilise plus l'autre, si tu veux, celle que j'utilisais avant, je peux te la prêter pour faire un studio. Genre pour. Tu veux tester ou quoi? Non, t'en caches dans la tête. Mais en fait, si tu me fais un ordi, j'ai pas envie de. Ah ouais. Pour faire les montages et tout. Sur le téléphone, tu pourrais les faire. Jean-Jacques. Ouais, mais j'ai pas envie de me casser la tête sur le téléphone. Je veux faire sur un ordi. C'est vrai que l'ordi, c'est beaucoup plus simple. Moi, sur téléphone, je. Non. T'as envie de quitter le téléphone en fait. L'appli, oui. elle supporte la 4K. Ça fait surchauffer le téléphone. Quoi. Ça, ton téléphone, ouais, ouais, l'appli, elle tue la batterie. J'espère que t'as un chargeur à côté. Et le téléphone, quoi, je te dis qu'il est brûlant. Ah, il brûle, hein, il supporte pas. Hein. C'est chaud. Hier, j'ai monté la vidéo du 306 que j'avais fait avec Fab de 3 jours. Ah, laisse tomber, c'était une galère. En fait, t'arrives, tu slides comme ça jusqu'à arriver l'arrêt d'après et tu sais, ça supporte pas. Du coup, ça reset au début. T'es obligé d'enregistrer, revenir sur la vidéo et recommencer ce que tu faisais. Je referais. Enfin bref, c'est galère. Et je comptais m'acheter un nouveau téléphone là. Ouais. J'en prends quoi? J'avais pensé à un. Ouais, avec les sauts de YouTube, attends un peu et tu prends des. C'est ce que je voulais dire. J'avais pensé à un iPhone 13 Pro. Normal. Ouais. Normal. Parce que là tu vas avoir 100 euros de différence entre les deux, franchement autant attendre et mettre. Parce qu'en fait moi ce que je préfère mini parce que c'est plus on va dire. Toi tu préfères? Ouais. En fait gros c'est pas que j'aime pas mais ça prend plus de place. Quoi. Même en vrai le mini est vraiment petit, tu vois. T'as vu les iPhone 4 et tout là? Ouais ouais mais j'ai déjà testé, j'ai un pote il est là et tout, j'ai testé. C'est petit comme ça. C'est vraiment petit par contre. Ouais, si tu regardes une vidéo, tu préfères grand format et tout, c'est bien. Non, je pense c'est. C'est mieux de. Après, ça va, ton téléphone là il est pas. En fait, c'est la coque. La coque elle est énorme. Ouais. Mais sinon, si tu retires la coque, le téléphone il est normal. Ouais, c'est ça. Mais en fait, l'iPhone c'est pareil. En vrai, dès que tu retires la coque, moi je le traîne. Ouais. Dès que tu retires la coque, le téléphone il est petit. Mais ça va, il est bien. Ouais, dis-toi, je l'ai. Même, tu prends même. Moi j'avais l'iPhone XR avant. Ouais. J'ai gardé quasiment 3 ans. Aucun problème, j'ai donné à mon frère. Vraiment. Ah ouais? Et aucun problème en 3 ans. Bon. Si, une fois il m'a fait une phase, l'écran il s'est bloqué, je pouvais plus rien faire. J'étais obligé d'attendre que le téléphone se décharge pour le rallumer. Ah, ouais, mais ça m'a fait ça une fois. Mais sinon, jamais. Mais la batterie elle tient bien sur le 13 ou... Même si tu l'utilises. Après, oui, forcément. Enfin, non, ça va. En vrai, ça tient. De vrai, ça tient. Ouais. Ça tient facile la journée. Parce que je pensais acheter en reconditionné, mais j'ai des potes, ils achètent en reconditionné. Bon, après, batterie, quelques mois après, t'as des problèmes. Leur batterie fait peur, on va pas se mentir, leur batterie fait peur. Je préfère aller, bon, par l'Apple Store, un Fnac ou un truc comme ça, tu vois, un truc neuf, tu vois. Comme ça, le téléphone, je sais qu'il est neuf et s'il a des problèmes, je vais les voir, voilà, c'est ça. Non, en vrai, moi, je te conseille d'attendre la YouTube Money et tu prends Ah, là. Tu prends un iPhone, ouais, le 13, franchement,
Parce que en fait j'attendais c'était bah, quand ils vont passer en USB-C. Oui. Mais je sais pas s'ils vont faire les 13 et les 12 en non. USB-C, ça va rester le chargeur. Non, ça sera à partir du 15. J'avais pensé faire un business de ça. Moi d'acheter plein de chargeurs iPhone maintenant. Tu sais, les gens quand ils sont en galère dans quelques années, tu sais, je les revends. Je sais pas. Non, en vrai, ça, je pense que ça servira pas parce qu'il y aura toujours des fois en dépendance. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me dis. J'y avais pensé, mais bon. Mais en vrai, ouais, franchement, si tu peux, si tu peux prendre un iPhone, ouais, un iPhone 13, ça c'est bien. J'avais pensé aussi après. Même pour les photos ou pour même si tu veux faire des vidéos avec le téléphone. Non, je prendrais plus avec ça. Ouais, non, mais en mode pas des vidéos comme ça, mais en mode ah, des vidéos ouais, quand t'es dans la rue, tu vas faire une story ou quoi, tu vois. Même si tu veux filmer un truc de 30 ou 40 secondes, ouais, des stars, t'as le truc. Ouais, t'as, en fait, sur le mode caméra normal, t'as les. T'as le 4K 60 fps et la vidéo elle est fluide. Ah oui? Je peux vous trouver au terminus après. 4K 60 fps ça 4K 60 fps. Mais c'est pour ça que t'as plein de youtubeurs, ils filment avec un iPhone. Parce que la qualité elle est suffisante toi, pour ce qu'ils font, genre pour faire des vlogs et tout. Ça suffit. Et je trouve, parce que avant, quand j'avais pas la caméra, je cherchais un appareil photo. J'ai vu le prix des appareils photo. Si tu veux un bon appareil photo, faut au moins compter 700. En fait, le problème, c'est même pas l'appareil photo, c'est l'objectif. Ouais, c'est l'objectif qui coûte cher. En plus, t'as plein de types d'objectifs en fonction de ce que tu fais. T'as plein de paramètres à prendre en compte. La distance de l'objectif, la distance focale. Enfin bref, c'est une galère. C'est une galère. Et je pense que c'est trop cher pour ouais. Ce que tu voudrais en faire. Ouais, en fait, c'est ça. Pour prendre des photos, lâcher, j'avais vu à 500 euros, mais lâcher 500 euros pour une photo, je vais prendre deux fois dans le mois. Bon. C'est ça. Et quand je vois les derniers téléphones, ils ont une qualité incroyable. Ça suffit, hein, avec le téléphone, tu peux tout faire. Hein. Ah, je vois les derniers téléphones à partir de l'iPhone 12, les derniers Samsung S22, ah, ils sont magnifiques. Les Google Pixel, je sais pas si t'as vu, mais ils font des photos incroyables. Des photos incroyables. Hein, bon, faut mettre le prix aussi, mais il fait des photos incroyables. Ça fait tout, ça fait caméra, ça ouais, fait des appareils photo. Et je me dis, à ce moment-là, autant acheter un téléphone qui fait aussi fonction téléphone que qu'un appareil photo qui sert à prendre des photos. J'attendais le Black Friday. Porte des dealers. Ouais. Il y a un bel lit. Ah, c'est près de 4 mètres. Ouais, c'est vrai. Ah, on est samedi. On est comme toi. Ouais, j'attendais le Black Friday au Lissol pour l'acheter et sûrement je vais l'acheter là. Ouais. Ouais, c'est mieux. Surtout que le 13, il baisse et tout. Ouais, j'ai. Après, même si tu veux prendre le mini, faut prendre normal. Après, justement, je vais te montrer, je vais enlever la coque, je vais te montrer. Quand tu verras le téléphone en vrai, il n'est pas énorme. En fait, c'est la coque qui te donne l'impression que le téléphone est grand, mais. Et sur la coque, c'est risqué un peu. C'est l'arrière, il est en verre, donc. Compliqué. Surtout, même quand t'as une coque, quand t'enlèves la coque, il y a même 30 secondes, le téléphone il trouve le moyen de tomber. À chaque fois, ça m'arrive. J'enlève la coque, genre pour nettoyer au fond, le téléphone il tombe. Après, il y a différents types de coques ou c'est toutes les mêmes oui. Après, t'achètes, genre, t'as des coques à 10 balles sur Amazon transparentes et tout, genre, qui sont ouais, pas ouais. Qui sont fines et tout, quoi. Après, moi, j'ai pris une coque Rhinoshi. Ouais, t'es sûr au moins que ça se casse pas. J'avoue que j'ai mis 40 balles dessus, ça pique, mais. Mais t'es sûr au moins que tu n'iras pas à la plus simple pour le faire réparer. Le téléphone, il tombe. Des fois, il tombe de là, à terre. Il arrive. Rien de plus. Ouais, parce que des fois, le prix de réparation à ce moment-là, rajoute un peu, achète un nouveau. Hein, parce que les prix, ils font peur. Ça, pour ça, je fais attention avec le téléphone. Ouais. Je peux pas me casser. Je vois les prix. Bon, mon père, il a un téléphone à touche, tu vois. Il le fait tomber, carrément, il est content si tu vois, c'est oui, écoute, un emballe de téléphone. C'est le seul qui se casse. Ouais, voilà. Mais bon, c'est vrai que maintenant, si t'as pas un téléphone tactile, il y a des trucs que tu peux tous faire par internet. Vraiment. Je me dis, les vieux, je sais pas comment ils font. C'est vrai qu'ils arrivent pas à s'adapter, c'est trop compliqué pour eux. Ceux qui sont pas initiés, comme là, juste les SMS. Ah, mais c'est une galère. C'est une galère, c'est une galère. Va leur expliquer, tu tapes bus, synthé, synthé. Même, en vrai, même avec le tactile, il galère. Ouais, c'est chaud.
Après nous on est jeunes donc on apprend vite. Ouais, bah après on grandit dans ça, on va dire. Mais même le fixe, je sais pas s'ils l'ont connu, tu vois. Le fixe, putain, ça faisait longtemps que j'ai pas entendu ça. Téléphone fixe. Ça t'appelle que chez toi, c'est. Les numéros 0. Ah bah c'est 01, 09, 02. Ça, ça s'utilise plus, c'est pour ça, tu vois, genre, t'as vu les opérateurs, non, ils devraient même plus faire d'abonnement avec les filles. Ouais, c'est... moi j'en ai, enfin j'ai un numéro, j'ai une ligne, mais je l'utilise même pas. Personne n'utilise, ouais, c'est ça, il sert à rien, hein. C'est juste pour internet, ouais, voilà. Moi c'est j'ai une box, c'est juste pour internet, vraiment, elle me sert qu'à ça. Même la télé, plus personne ne regarde la télé. Ouais, personne, moi je regarde encore. Ouais, à part... Enfin, ça dépend des trucs. Genre, je regarde vite fait le journal, à 20h, je regarde tout le sport après. Et des fois, quand il y a un bon film, je regarde, tu vois. Ouais, mais après, sinon, c'est après, rare, hein. Sinon, je vais vite dans ma chambre YouTube, ouais, ou un truc comme ça, et la Play. Hier, j'ai joué jusqu'à 2h sur F1, je crois. Putain. Il est torché le jeu. Il n'y a pas le cross-platform dessus, en si, plus. Si, mais ça bug trop. Mais je sais pas si, genre, toi, t'es sur PS4. Ouais, PS4, ouais. Ouais, donc je suis sur série, ils ont pas fait. Il y a le cross-platform, mais je sais pas si t'as fait la mise à jour. En fait, j'ai pas pris. Ouais, t'as pas pris. Ils ont fait une mise à jour, je crois, pour le régler. Après, j'ai pas testé encore. Apparemment, ça a été réglé. Mais en fait, c'est quoi ? T'étais en cross-platform. Et dès que les feux s'éteignaient, c'est le cas. Il y avait rien, mais il y avait de ces cas, tu vois. Donc, c'était à la fin du cross-platform, ils ont découvert ça. Est-ce qu'ils ont réglé le problème ? Je sais pas. Mais sinon, encore, quand tu jouais et tout, il y avait pas de lag. L'autre, il despawn. C'est ça, ouais. C'était plutôt ok. Bonjour. Bonjour. Après, je compte m'acheter un volant aussi. Ouais, j'avoue. C'est pour après, pas que pour F1, j'utilise d'autres jeux avec des volants, genre. Retrouver simulateur, par exemple. Grand Turismo, même du simulateur, j'y joue et il y a un volant, c'est très bien, tu vois. Et j'aimerais bien m'acheter un, mais. Moi, j'ai vu ça aussi, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné. Si tu veux un truc de qualité. J'avais vu là celui que je veux, le Trumaster T248. Déjà le Logitech G29, celui de base, il y a 230-240, celui que je veux c'est 280. Après... t'as le pédalier et tout, non? Ouais, si t'as pédalier, volant, là, tout. Enfin, t'as le boîte de vitesse. Ah, boîte de vitesse, tu l'as pas. Ah, la boîte de vitesse, c'est quoi? C'est 30€, je crois. Ah ouais, c'est un DLC. Ah ouais, c'est ouais. Un DLC, le truc. Ouais, ouais, voilà, c'est un DLC. Après, t'as le pack aussi avec le siège. Tu sais, le siège gamer aussi. T'as le siège normal, celui qui coulisse. Après t'es le siège à fond aussi, tu sais, quand t'es limite allongé. Ceux qui ont les streamers et ouais, ça, ça, genre c'est... Hydro, tu ouais, vois. Ouais, Hydro, il a un vrai setup. Oh, il y a les gants quand même, il met les gants alpines et tout. Je me suis dit, ah ouais, non, les styles, tu sais, il y a sur son truc, sur son matos, il y a le retour de force. Et le retour de force, ouais, il fait aussi violent qu'en vrai. Mais en vrai, faut vraiment subir, genre avoir subi le retour de force ouais, ouais. Pour ça, parce que ça fait, genre vraiment, ça fait mal. Mais... Ça ravage. Fougère. Mais j'avoue. Après, ça rend plus réaliste. Ouais. J'avoue, moi j'aurais un setup comme ça. C'est... Je passerai ma nuit dedans. Je passerai ma nuit dedans. C'est le même, il y a la même réplique mais version PS4. Bon, c'est 400€. Mais je pense que si tu l'as, en plus, t'as vraiment l'écran tactile et tout qui te met vraiment un vrai volant, mais version console. Ouais. Mais bon, 400€. Ouais, faut les mettre, faut les mettre. En fait, faut voir en fonction, tu joues combien de temps aussi, parce que si tu joues deux fois dans le mois, ouais, ça va pas être rentable. C'est pas rentable. C'est pas rentable. Moi, perso, j'y joue. Je saigne le jeu, je vais pas te mentir, je saigne le CD, il m'en a marre. C'est ça. Et il en surchauffage, ouais. Mais la veille, il en fait un peu plus. Si tu joues tout le temps, ouais, c'est vrai, c'est le truc que tu vas regarder des autres. Tu lances la play, il n'y a pas de ouf. Des fois, il me suit, mais c'est vraiment F1. Oh non. Qu'est-ce qui se passe?
Génération, le 161, génération 61. Donc, pour information, reprise de l'itinéraire normal dans le sens aiguille de Pantin. On va pouvoir reprendre l'assemblée voilà, au fin de la manifestation, par ce qui est passé. Donc, reprise de l'itinéraire normal dans le sens aiguille de Pantin. Merci à vous. Merci à toi. Ça va, le bloc. Ouais, c'est vrai que le nouveau elf, il a l'air pas mal aussi. Non, oui, il est pas dégueulasse. Je pense, il paraît que le mode histoire il est terrible. Ouais, j'ai vu ça. La graphique et tout. Mais je pense, enfin, perso, je trouve Modern Warfare c'est les meilleurs de tous. Ah, le 2 il était terrible. Hein. Ah, le 2, pas le W2, il était incroyable. Je jouais sur PS3. Il était incroyable, vraiment. Déjà, MW1, le tout premier Modern Warfare 4, Modern Warfare en gros, c'est la suite de l'histoire. Ça raconte une vraie histoire, tu vois, avec des persos qui sont là depuis le début, qui sont jusqu'à la fin. Captain Price, premier calme, Soap McTavish, enfin bref, c'était incroyable, vraiment. Ça, je vais faire le mode histoire juste pour voir comment c'est, parce que c'est longtemps que j'ai pas fait le mode histoire sur Call of. Mais je sais pas si tu connais le youtubeur Svadé qui fait le protagoniste. En fait, il te raconte l'histoire de tous les Call of Duty. Et en fait, c'est limite un film qu'il te fait. Vraiment, c'est incroyable. Je regardais ses vidéos 10 fois d'affilée, tellement que c'était. Je t'enverrai le lien du premier Modern Warfare, tu verras. Et là, j'ai regardé la fin, il y avait Galax qui avait fait son dernier épisode sur la campagne du dernier Modern Warfare. Et comment il s'appelle Price, à la fin, il montre une photo et tout. Il dit, ouais, c'est qui, c'est Makarov. Et là, bam, le truc, il s'arrête, tu vois. C'est quoi, Makarov? Ouais, Makarov. Celui qui était censé être mort, le russe. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu son nom. Makarov. Et là, bam, ça s'arrête. C'est sur MW2 qu'il y avait la marque à l'aéroport. Là, ouais, avec la Panta là. C'est vrai que c'était violent ça. Terminal là, ça fait. Tu spoil, tu dois tuer tout. T'étais là, t'arrives, tu le casses. Le faire sur le lin. Pas de russe. Elle est arrivée, elle est tout le monde. Mais elle a été censurée en Russie cette mission. Ah ouais? Ouais, ouais. Les Russes ils ont jamais fait cette mission. Ah ouais, tu m'étonnes. Le gouvernement il voit ça. Ouais, dans un jeu vidéo, on vient, on a une télé comme ça. Bah, ouais, ça se fait pas bonjour. Mais je trouve que c'est bien parce que toi, ça reste réaliste. Quand tu vois, je vois aller dans Black Ops 3 ou Black Ops 4. Ouais, t'étais là, en mode des exosquelettes, je sais pas quoi. Tu devenais avec. On est fatigué, hein, t'es là, tu voles et tout. Ouais, on est là, fatigué. Tu slides sur le mur, frère. C'est quand même, faut savoir. Ouais. Moi je préfère quand c'est réaliste, tu sais, tu es là, tu te caches pas, mais en mode campeur. Il n'y a pas de super saut, il n'y a pas de. Ouais, voilà. T'es bon ou t'es pas bon, tu vois. Les armes futuristes. En fait, Call of, c'est pas fait pour être un jeu futuriste. Ouais, ouais. Tu sais, il faut laisser ça à Battlefield ou à Star Wars ou à Overwatch ou des jeux comme ça. Tu vois, ça sortait des tirs de leurs gants et tout, ça. Au mur à mur, ça grimpait, non. Les deux premiers Black Ops ils étaient bien. Après, je trouve que BO3 c'est parti un peu en cacahuète. BO4 c'est un flop. C'est vrai que tu pouvais que jouer en ligne, il n'y avait pas de mode campagne. Il n'y avait pas de mode. BO4, il n'y avait pas de campagne. Belle porte. Gambetta. J'avais aimé aussi, c'était World of War. J'ai pas de souvenir, c'est mon frère, il a joué quand même. Rondatoire, le premier c'était la première guerre mondiale et le deuxième c'était la seconde du coup. Et c'est pareil, c'est vraiment réaliste avec des armes de la guerre mondiale. Ouais, l'ancien et tout, bonjour. Et tu suis un soldat dans la guerre et tout, et ça montre vraiment ce qu'il y avait dans la guerre, c'est pas mal. Ouais, c'est une sorte de production en jeu et tout, ouais. C'est bien. Bon, le 1 il fait flipper. Ah ouais, déjà juste dans le menu, si tu joues dans le noir, déjà musique bien stressante et tout. Ah, il fait flipper des screamers. T'as des japonais avec. Ils étaient déguisés en anti, ils mettaient de l'herbe sur eux et tout, ils sont du baïonné. Enfin bref, ils sortent de nulle part. C'est vraiment. Et voilà, je vais tester même ton coup. Gambetta, mairie du 20ème. Je sais pas si tu veux l'acheter en CD. Ouais, c'est bien. Je pense que tu peux le trouver.
couper à 50 dans le. Je pense. Après, je sais pas si je trouve quelqu'un. Tu sais, il le met en. Il installe lui sur la play et après, partage le compte. Tu fais un partage, ouais, tu peux. Là. Tu connais. Si t'as un pote qui fait ça. Il y a mon pouce qui fait ça, je sais pas s'il va le faire sur Social Off. Déjà, je gratte son compte PS Plus dans ça. Mais ouais, si je fais ce si tu peux, par contre. C'est l'autre. T'économises 50 balles. Ouais, c'est ça. Là, mon petit frère est Marcel pour que je lui achète, il fait 23 là. Et quel âge ton petit frère? Il est vraiment. Il a. Il a 6 ans. Ouais, mais quand je te dis qu'il est vraiment fan de foot, j'ai jamais vu un fan de foot. Il sait une FIFA, vraiment. Il joue bien? Franchement, ouais. Il me bat. Et puis, il me tape à FIFA. Il a 6 ans. Il me tape à FIFA. C'est quoi, c'est en 2016? 2016. Ouais. Il me tape à FIFA. Ça c'est un autre un peu quand même, non? C'est ça, j'ai trop de jouer, t'as tu pas vois. Le quand voilà, ouais, moi je suis plus sur F1, je vais rester sur F1. En plus, tu peux même pas le gifter parce que si tu le gifles, voilà. Tu vas te faire taper par les barreaux. En plus, il met des 3-0, s'il te plaît. Bah, je pose la manette, moi, ça y est, je pars. Les petites 6 ans d'aujourd'hui, ils font plus que leur âge et tout. C'est, ils sont intelligents de nous. Moi, quand j'entends un enfant de 6 ans, c'est oui. À peine s'il sait parler. Oui, c'est un petit bébé. En fait, ouais, c'est ça. Le petit bébé de CP, non, le petit bébé de CP, il est avancé. On juste trop vite. Tu te sens pourquoi, toi? Non, mais ça. Tu vois, ils ont ouvert la route ici. Oui. Je sais pas, je pense qu'il vient dans l'autre sens. Tu vois, j'ai jamais roulé là. J'ai jamais fait, je pense pas. Ouais, il y a des neufs aussi. Ça, il y a pas mal de routes neuves sur le trajet, genre. Si, derrière aussi. Ouais, dans le bêta, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, pour faire une piste cyclable. Ça, quoi. Bon, même en ayant une piste comme ça, les gens, ils vont venir rouler sur. Ouais, c'est ça, vraiment. Ils ont une belle piste juste pour eux, mais ils vont venir t'emmerder sur la route normale. C'est un truc que j'arrive pas à concevoir. T'as une piste cyclable juste pour toi, mais tu viens sur la route. C'est des grandes et tout, neuves et tout. Là, tu... Il y en a, ils sortent peut-être plus. Ouais, il y a des gravillons et tout, c'est chiant. Ah, la piste elle est neuve. En fait, t'as différents. T'as les mecs qui font du vélo, les pros, et t'as les gens qui se croient pros, t'as les amateurs qui se croient pros. Eux, c'est les pires. Ouais. Ils te font la morale et tout, alors que. Ils te font des justiciers. Bonjour. Mentor, n'oubliez pas, pour lui ça y est, il est en vélo et tout, le premier. Ça fait des pros, tu dis, le dimanche. Les gens ils sont trop stressés dans ce truc. La déviation elle est censée aller jusqu'en 2023. Sauf que si c'est fini avant, moi j'ai pas de raison de laisser ça jusqu'en 2023. Tu vois là le vélo là. Ouais. Voilà, tu vois, il a une piste là et qu'est-ce qu'il fait? Il roule sur là. C'est pas logique. Donne des infrastructures et on les empêche. Ils te cassent les pieds pour faire des infrastructures, des travaux et tout. Tu leur donnes, mais on continue à. C'est pas comme si la route était dégueulasse en plus, tu vois. Il a quoi, elle a toujours le projet de faire Paris en mode juste propre, tu vois, en mode vélo bus. Pourquoi elle voulait faire ça en mode. Je sais pas du tout. Full vélo bus. Et je crois, il y a les taxis aussi. Après, ouais, en mode, t'aurais que les livreurs qui seraient autorisés. Ouais, voilà. Et... Pour ça, il faut faire un réseau de transport digne de ce nom, parce que si tu fais pas un réseau de transport adapté, genre
un trajet que tu vas faire en 20 minutes en voiture, c'est que si tu dois le faire en 50 minutes en bus, les gens ils vont pas lâcher. Bah, c'est sûr. Ils vont pas lâcher la voiture pour deux. C'est comme moi. Moi, si je prends ma voiture pour aller chez moi, je redépose, je mets après 25-30 minutes. Ouais. Si j'y vais en bus et je prends 2h34, c'est pendant 1h10. Ouais, c'est jusqu'à Fort-de-Mer, c'est long. Imagine, 1h. Ouais, c'est sûr, t'as plus envie de prendre la voiture après. Derrière, tu travailles pendant 6h30, 7h dans le bus et ensuite en rentrant, tu retapes une heure. Tu retapes 1h de bus. Au final, en fait, t'as passé toute ta journée dans le bus. Ouais, c'est ça. Et c'est comme ça que les gens vont toujours prendre la voiture. Moi, il y a des fois. Quand je suis réveillé en avance et tout, que j'ai le temps, vas-y, je me dis, vas-y, je prends les transports. Mais souvent, au dernier moment, je me dis, non, vas-y, tu sais quoi, en rentrant, je vais avoir la flemme de mettre 1h pour rentrer. C'est ce qui se passe. Mais ça prend carte à la route, putain. La France sur Paris, tu viens ouf. La pancarte du restaurant, il aurait pu la mettre sur le trottoir, il la met sur la route. C'est la personne âgée, elle se parle respectueusement, tu la respectes, c'est normal, pas de problème. Si tu commences à te manquer de respect, au bout d'un moment, au début, tu vas faire un mec pour toi et tout. Et à un moment donné, vas-y, frère, on est des humains, on n'est pas des êtres humains. Je commence à 6h, je crois que je finis à 14h. Je suis mieux quand même, je crois que je finis à 13h15, je suis tout. Non, il n'y a pas de marché, ça me dit ça. Quel marché? Sarcelles. Je sais pas. Non, mais en vrai, franchement, il n'y a pas de temps que ça. Ouais. Après, ça se trouve, je vais changer de service, je vais voir si je peux changer, parce qu'en gros, le matin, je t'avoue, c'est pas fait pour moi. Tu vois,
Genre t'as des cycles matin, après-midi, nuit, t'as deux fois. En fait quand tu fais les deux fois, t'as les week-ends garantis. Sinon t'as les repos le mercredi garantis, donc tu travailles toujours la semaine sauf le mercredi à chaque fois. T'as vendredi, samedi est garanti aussi. Moi j'ai demandé nuit. Comme ça, moi si je peux faire tout des nuits. C'est carré. Moi vraiment le matin. Tu me vois le matin, je suis zombie. En fait, je me suis tellement habitué à la rythme où j'avais pas d'heure de dormir, du coup je dormais tard. Tous les jours. Pendant 7-8 ans. Et là quand tu commences un travail où tu dois te lever à 4h30, frère, quand le réveil sonne, t'as envie d'appeler ton taf et de leur dire ah, vas-y c'est bon, je démissionne. Ah bah ouais, enfin c'est cool. Ce 36 il dévie là, non? Il est pas là normalement. Là normalement il fait. Là il vient de là-bas. J'ai mon 700 après 19h40, à Roissy, mon 36 d'enfer, on va arriver à Roissy. Et c'était là, c'était. Attends, j'avais fait une Roissy, c'était pas mercredi, je crois, comme ça. Avec Fabien. Mardi, ouais, avec Fabien. Ouais. T'as fait deux points, est-ce que t'as fait quoi? T'as fait 106, 110? Il m'avait dit la semaine prochaine, il fait du 108 et 110 dans le même service. Et je me suis dit, si je fais deux livres en même temps. J'ai fait 106, 306, 107. Et 112 aussi. J'avais fait 111, j'ai perdu la carte SD, j'ai envie de le prendre. C'est le 111. Ouais. Et bah, en vrai, attends. Ouais, elle va passer à Créteil, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais, parce qu'il m'a dit, elle va passer en MAD. S'il a fait en MAD, ce serait un bonheur. C'est vrai, vraiment. Ça serait bon. Et je l'avais fait en Citélis, là, une pastille. Oh là là. Genre, ça claque. Ah, le verre que c'est. En plus, c'est de la ligne, tu l'avais fait entièrement. Ouais. Entre non, ça va. En fait, on devait faire entièrement et l'arrivée, elle nous appelait. Ouais, vous êtes limité à l'appareil. Bon, après, ça rajoute quoi, 5 minutes jusqu'à. Ouais. Donc, c'est pas. C'est pas. Mais bon. Déjà, elle est bien longue. Elle est longue. Juste bon. Après Terroir de France, déjà, sortir. Merci, là, ouais. Ouais. Sortir de là, c'est un combat. Après, tu montes jusqu'à Porte Dorée ou Porte Charmant. Ouais, je crois que c'est vrai, c'est Charmant. Je passe par la Porte Dorée, il me semble. Tu fais. Je crois que c'est Bordeaux Charenton quoi de sort. Ouais. Moi je les vois tout rappeler après tu vois. Ouais, c'est ça. Après Charenton école. Ouais. Après ouais tu vois ce qu'à Charenton école, après école. Tu passes de Saint-Marc côté là. Ouais, c'est ça. Mais bref, elle est bien. Après Saint-Marc Créteil, c'est pour la vie venir pour Saint-Marc, laisse tomber là-bas. Ah oui, c'est que des priorités à droite. Ouais, c'est rose. C'est bon, c'est mais là tu t'arrêtes, tu repars là. Mais le secteur, franchement, il est bien. Par contre, t'as vu, il y a des arbres partout, ça veut dire. Et là-bas, il fait tout le temps gris en fait. Ouais. Ah, on va mettre tout le temps. Les arbres sont comme ça, tu vois, ça cache la lumière. Ça cache la lumière. Mais ouais, si la semaine prochaine, je peux faire 108 et 110 en même temps. Bonjour. Ouais, bah ça. Enfin, je vais faire. Enfin, pas tous les dépôts, mais. Je connais à peu près un machiniste par dépôt. C'est bien ça. C'est ouais. C'est à Nanterre, sur la Flandre, Fabien à Saint-Maur. Point du jour aussi, je sais pas si tu connais. C'est pas Joël ou non? Si, si, bah oui. Ouais. Voilà. J'ai fait 82 avec lui et 161. Bonjour. Excusez-moi. J'en connais un Fontenay aussi. Enfin bref, ouais, c'est. J'en connais un Aubervilliers. Saint-Denis aussi, bah, il est sur YouTube. Je sais pas si tu vois, c'est qui. Il s'appelle. Je sais même comment il s'appelle.
s'appelle. Oui, il a arrêté lui, non? Ah, ouais, c'est... Oui. Non, c'est pas JB lui. Non. Si. Même avant, il roulait vers Sergi. Ah, JB bus, ouais, 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 c'est ça. Sergi. Ouais, ouais, il roulait à Trans-DFX. Ouais, ça va être. Ouais, c'est ça. Ouais, bah j'ai fait 138 avec lui. Ouais, c'est ça. Si... En vrai, si je peux faire. Du coup, t'as eu quoi à tirer? Ouais, même à tirer, tu vois, c'est. En vrai, t'en as un partout. Non, c'est bien. Ça te donne de quoi faire du contenu, c'est ça, sans galérer. Ouais. Parce que avant, moi je connaissais personne. Ouais, tu allais au culot. C'est... Ah, le culot c'est chaud. Ça, j'en connais un aussi à Vitry, maintenant il était à Bagny, il était à Vitry. Je devais faire du 57 aujourd'hui avec lui. Mais il m'a dit qu'il commençait à 19h. Donc, c'est... Non, il est à Ivry, pas Vitry. Ivry, ouais. Mais ouais, si on va dire que je peux faire un peu toutes les lignes et tous les dépôts, c'est... La Ivry, il était où avant? La Ivry. Ouais, je sais. Passion, bus... Ouais, BBR. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, Il a fait l'articulé il y a pas longtemps. Ouais. Il a 91, il a 62. Avant, il était 91, j'avais fumé. Je te dis, les fichiers sur la carte SD, ils se font tout seul. Mais en fait, j'avais pas envie, j'avais filmé la O2 à Trans-Delstrap de Créteil-Micha à Prod. Mais t'es jusqu'à là-bas? Ouais, avec un machiniste, enfin, un conducteur que lui aussi. C'est lui qui m'avait dit où est-ce que tu veux venir filmer. J'ai dit, vas-y, ça a changé. J'avais été et ben là, il est sur l'autre carte SD, mais j'avais pas envie de supprimer le trajet et après y retourner et tout. Je dis, vas-y, je vais acheter une carte SD. YouTube, c'est pas vraiment deux vidéos, c'est rentabilisé. Oui, c'est la rentabiliser. Donc ça fait un peu chier, mais tranquille. Ça fait chier, mais... C'est pas la combien, 4 SD, 15 balles, non? Non, c'est ça, exactement. 64 gigas, ça va. Tout à l'heure, j'étais à la Fnac Châtelet. Je voyais, pour la même carte SD, il m'a sorti 60 balles. C'est des assassins, ouais. Et quand je m'en rappelle, j'en avais acheté une là-bas, à Carrefour Villejuif. Ouais. Je me suis dit, je vais y retourner, comme ça, je prends le métro 7 et direct Place d'Italie. Alors que là-bas j'ai eu à 15. Ok, je veux bien qu'ils montent un peu les prix, mais de là on va m'abuser comme ça. J'avoue, c'est. Ouais, il y a quand même 45 euros de différence. Tu sais, c'est comme acheter un jeu à Micromania et acheter un jeu à. Ouais, c'est ça. Et Micromania, c'est des escrocs. Escromania. 80 euros alors qu'en grande surface tu peux l'avoir pour 50. J'y ai été juste pour les cartes PSD. Ouais, là-bas tu vas juste pour ça, ou si tu achètes une manette ou quoi. Ouais, voilà. Parce que les manettes c'est les mêmes prix partout. Mais si tu veux acheter un jeu à Micromania, j'aime pas tout. Même en occasion, les jeux ils sont chers. Même en occasion, tu vas de leur bâche là. Tu regardes, ça reste cher. Franchement, les jeux je les achète que sur Amazon où c'est disponible. Ouais, c'est ça. Après, moi je les prends sur le marché parce que j'ai la flemme dans mon magasin, d'avoir des boîtiers partout, CD qui marchent pas. C'est direct sur le store. Et puis, c'est ça, ouais. Bon, ça coûte cher, mais au moins. C'est en fait, moi, je suis en partage de compte. Ça veut dire, mon poste, une fois, il achète un jeu, une fois, c'est moi. Donc, en vrai, on va dire, ça limite. Là, c'est vrai que les jeux, il faut au moins compter un bon 60 balles pour en avoir. Là, le Call of Duty, on a 60 balles, je crois, à Carrefour. Ouais, donne 10 euros sur la carte, après ça se revient à 50, on va dire. C'est ça. Ouais. Ils font des correspondances. C'est ça, ouais. Ils prennent des ici, ça reprend là-bas. Non, mais la personne. Ouais, il va pas regarder. C'est quand
quand ça bip rouge, tu sais qu'on peut le voir. Tu peux le voir. Hein. C'était quoi là? Non, c'est pas son reconnu. Ça c'est quand il y a deux cartes collées, ça passe pas. Mais sinon, des fois tu vois des dates, frère. Ouais, j'ai vu 30 septembre 2014. Ouais. Tout ce temps, t'as fraudé. Ça fait 6 ans que t'es là, tu fraudes. 6 ans plus, ça fait 8 ans, 9 ans. Oui, ouais, depuis 14 ans. Ça y est, le passé est fini. Là. J'arrive. C'est étonnant que le truc au bout de 8 ans, il vit encore. Oui, c'est ça. C'est pas des bonnes choses. En plus, ça va être les anciens, les violets et verts qui là. Parce qu'un passe, normalement, il tient 10 ans avant d'être démagnétisé. Là, il tient. Après, en vrai, rares sont ceux qui nous gardent pendant 10 ans. Il y a forcément un moment où tu changes, tu le perds. Ouais, c'est ça, tu le perds. En plus, c'est quoi? C'est pas 20 euros pour refaire? Moi, c'est 23,50€. Imagine R là pour le refaire, c'est 23,50€. En plus, les frais de dossier ils sont à toi. Tu rajoutes à base de 5-8€, je crois. Faut que tu ailles à la poste, tu l'envoies à Serge. Parce que quand tu t'inscris, c'est la mairie. Tu sais, c'est eux, ils te l'envoient, tu vois, du coup, c'est pas toi qui fais le premier, tu payes pas Non, le premier, en fait, c'est juste tu récupères un dossier à la mairie, tu mets ton chèque, et après, c'est eux qui s'occupent de ça, tu vois, ils te l'envoient, c'est eux qui l'envoient. Alors que là, si tu la perds, soit tu vas à la gare, soit tu refais un courrier et tout, bon. Ouais, il faut aller à la poste, et tout, bref. Ouais, c'est une galère. Ça, en vrai, je ne paye pas trop cher, je paye 180 à l'année. Ça me revient à peu près à 14,50 par mois. Ça va. Je trouve que pour ce que je fais, c'est rentabiliser. Ce que tu fais, toi, tu fais le tour du monde. Ouais, c'est ça, c'est rentabiliser. Jusqu'à. Voilà, la mercredi, j'étais à Melun. C'est pour photographier les bus de là-bas. Après, je suis monté à Paris. Tu peux tout prendre en plus, c'est quoi? C'est jusqu'à la zone 5. Ouais, j'étais zone 1. Tu peux prendre le Transilien jusqu'à la limite de France. J'avais pris le TER là pour faire Melun, gare de Lyon. C'est. Franchement, 14,50€, ils sont en perte à cause de moi. Et je vois, j'ai des potes, c'est des casaniers. Eux, ils l'utilisent juste pour le bus du lycée. Le matin et le retour. C'est que ça, tu vois. Bon, après, ils ont pas le même centre d'intérêt que toi. Ouais, donc, c'est vrai. Et eux, même pour sortir et tout, des casaniers, vraiment, ils bougent pas. Et pour les motiver, il faut vraiment que tu. Limite, tu les t'envies, tu vois. Je sais pas, là je peux rien dire. Ah ouais? Ah ouais, moi je vais pouvoir sortir, faut que tu me trouves une bonne raison. Bon, j'avais un pote qui me dit s'il a pas de but précis, il sort pas, tu vois. Non, mais en fait, moi c'est plus la flemme. Je vais charger la montre. Ça va, elle tient. Tu vas combien de temps? Je t'aurais dit, il y a 10 minutes. Vu que la batterie est lâchée, ça va, là, je... On arrive bientôt, ouais, c'est ça le truc. Non, mais j'en ai, mais quand on sera en feu rouge, tu sais, je vais la changer en vie. À l'arrêt, dès que je m'arrête à l'arrêt. Ouais. Je la prépare. Mais ouais, s'ils ont pas de but précis, ils sortent pas de chez eux. Têtus comme toi, et ben, c'est un son qui passait par deux. Et lui là, il fait quoi là? Putain. Je pense que c'est pas grave.
Là, je m'étais dit, si tu récupérais le bus au dépôt, t'aurais peut-être pu négocier un Citaro avec le P8. C'est dur, ouais. Les chipotes un peu. Ah ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai l'air d'en. T'as déjà un C2 qui est sorti. Cité de la mode et du design. Ah oui. Il y a des 175 aussi. Ouais, 75. Même partout, 173, 151. Ouais, si tu leur demandes, ils sont pas trop. En fait, il y a des lignes, ça sert à rien de demander. Genre, par exemple, 248. Déjà, quand tu as une grille, en fait, tu peux entrer des endroits, c'est trop serré. En fait. Tu ressens la différence entre un Citelis et un Eliez. Parce que le Eliez, il fait 2,55 de large. Celui-là, il fait 2,50. Ah ouais, il est 50. Les 5 cm, tu le sens. Vraiment. Le Citaro, c'est pareil, c'est du 2,55. Donc. Je m'étais embrouillé avec un. Bah, quand j'étais à Melun, je m'étais embrouillé avec un chauffeur. Enfin, j'étais sur. En fait, je le prenais en photo. Je prenais le bus en photo. Lui, il croit que je le prends lui. Je suis bouché, je vais faire la balance, tu vois. Donc je le prends en plein rond-point, mais normalement il continue à prendre, il continue sa route. Il a refait le tour. Je vois, il s'arrête pile au milieu du rond-point. Il ouvre la porte. Il me dit ouais, c'est pour. Je dis non, c'est pour prendre le bus en photo. Il me dit mais tu joues à quoi? Je dis non, mais c'est pour moi, c'est pour que je prends le bus en photo, justement. Et il me dit ouais, mais est-ce que t'as demandé l'autorisation? Non, il m'a dit est-ce que tu m'as demandé à lui, tu vois. Je dis non, mais c'est... Non, en plus on le voit vraiment pas. Le pire c'est que j'ai raté la photo. Lui on le voit vraiment pas, on voit vraiment que le bus. Je dis non, mais bon, on le voit pas, c'est que le bus. Il m'a dit ouais, est-ce que tu m'as. Bref, il a juste voulu faire le revers. Ouais, voilà. En plus c'était un jeune, il était par contre 25 euros. Bonjour. Les gens derrière ils klaxonnent. Oh, pour bien les fauteuils, je dis ah, derrière je pense que ça vous appelle. T'sais, il commence encore à plus s'énerver et tout. Et après, tu sais, il a fermé la porte, il est parti en criant et tout. Même les passagers, ils disaient, vas-y, avancez, c'est pas grave. On dirait. Ouais, c'est pas la tête pour rien, en fait. Et il y a des conducteurs comme ça. Ouais, en fait, ils se posent. Le 89, il s'arrête où? Vers Jussieu. C'est porte de Vendre. Direction Vendre. Pour Jussieu, c'est direction. En fait, je pense que c'est où est-ce qu'elle peut le prendre. Ah, où est-ce qu'elle. Ah, bon. Enfin, il s'arrête ici. Non, c'est pas BFM. Si, madame. Faut prendre le 325. Vous traversez de l'autre côté, oui. vous prenez le bus 325 et vous allez jusqu'à la bibliothèque François Mitterrand. 325. Ouais, 325. Okay. De l'autre côté. Je sais pas si elle a compté, mais. Parce que vous êtes 325 et puis il croise le 80. Ouais, à BFM. Et du coup, je vois, il commence à s'énerver. Mais quand c'est comme ça, tu pars. Mais non, en fait, moi, avant je partais, je dis, tu sais, je fermais ma bouche et je prenais sur moi. Non, mais genre, moi, tu l'écoutes pas, tu vois. Ouais, j'ai. Mais en fait, j'ai regardé une fois, on a le droit de prendre des bus, parce que même ici. Oui, t'as le droit de prendre des photos dans la rue. Ouais, c'est ça, mais même ici, à la RATP, il y a une affiche, ils disent ouais, vous pouvez prendre les infrastructures à la RATP en photo dans l'espace public sur la voie publique. Et même IDFM, c'est écrit un truc comme ça, tu vois. Et je dis ouais, on a le droit, vous savez. Il me dit non, t'as pas le droit, mais vraiment il crie. Hein, là, c'est juste, ouais, après si tu prends en photo, en fait il faut juste pas que les gens soient visibles. Ouais, mais vraiment lui, je te montre la photo et on voit que d'abord. Hein. En plus c'était loin, j'ai raté la toffe. Yo, ouais. Tu l'as vu, hein? Ouais, elle a relevé le bandeau, énervé, comme si. Ouais, c'est quoi ça? Les gens ils sont trop stressés, alors, ils sont. C'est ici, mais ça c'est une spécialité d'ici, les gens ils sont stressés H24 sur la route. En banlieue, tu vois pas trop ça, c'est plus ici. C'est plus, ouais, quand t'es préparé dans Paris. Par contre, les bouchons, c'est pas prévu. Il y a pas une voie de bus pour. Elle est plus loin, elle est un peu plus loin. Elle est plus loin, carrément plus loin. Ah, c'est bien, si Max là il va à la CIF, je pourrais filmer les lignes de là-bas. Si je peux toutes les faire avant que ça passe Transdev avant le 1er janvier. Ah bah ouais. Mais en vrai, si lui il continue l'intérim, ça se trouve ils auront besoin de chauffeur et il sera là-bas aussi. Ouais, c'est ça.
Parce que là, il avait déjà dit, il fait 44-45. 45, c'est bien, je sais pas si tu connais. 45, c'est une grande ligne, et plutôt 44, c'est une circulaire. C'est vraiment la ligne, ça n'a que dalle. 45, il n'y en a pas jusqu'à Blanc-Midi. Ouais, gare du Blanc-Midi, gare du Vergalon. Enfin, un bus sur deux, il y en a, il s'arrête au B2, et l'autre, il continue jusqu'au Vergalon, un bus sur deux. Mais franchement, elle est pas mal. Vas-y, 44, Mais s'il fait une grande ligne comme 43, 39... Après 44, c'est un gros, ça me fait une vidéo en plus, tu vois. Ouais, ça fait une vidéo en plus, mais c'est pas un truc qui m'intéresse. Hein, parce que j'ai fait la cité grosso, c'était des 3000, mais en fait, c'est revient sur la gare, c'est une circulaire. Rétro juste pour dire ouais j'ai des rétro rabattables automatiquement. Ouais c'est pas la sorcière là-bas, la bise au bouton, ah, ça FX. C'est juste de la FX. Tous les jours, n'importe quel jour, tu vas pas parler en voiture, c'est trop. Tu sais que tu vas galérer. Déjà pour te garer, c'est une galère, pour circuler, c'est une galère. Le pire, c'est pour se garer. Non, se garer, c'est chaud. Déjà, tu combien de taxer, il n'y a aucune place gratuite. Les parkings souterrains. Ouais, c'est chaud. Déjà, ils sont super serrés. Hein. C'est serré, c'est chier. Les entrées, plus tu rentres, tu fais la bouffe. Hein, si t'as pas une petite voiture. Ah ouais, c'est bon. Ah, t'as intérêt à être un bon pilote parce que. Et même c'est cher, je sais pas, il y a des arrondissements, l'heure elle est fou. Il y a un jour avec un pote, on a été à un bar, c'était où, place de Clichy, je me suis garé au parking d'à côté. Ouais. Il me restait quoi, 1h30, 2h. J'ai payé 14 euros. 14. Ah ouais, la mairie elle est... Une fois, pas deux. Débite, hein. Mais j'étais dans un parking souterrain. Ouais. Ouais, c'est en plus il y a la caméra ouais. Là. Moi, franchement, c'est pas mal. Je pensais qu'ils filmaient à la main. Ouais, non, c'est. Yeah, mais dans la boîte aussi, ils te fournissent une sorte d'harnais. Ouais. Tu peux approcher. Bon, moi, je l'utilise pas, mais. Enfin, ceux qui la mettent sur la tête. Ouais, ça. C'est après, c'est bien pour avoir un point de vue, tu sais, genre, quand tu tournes la tête et tout. T'es déjà le conducteur, en fait. Ouais, ça. Mais... Par contre, quand les gens ils montent, ils te voient avec une caméra, c'est ça. Ils vont commencer à dire, ouais. Ça la fout un peu mal, je pense. Genre, tu peux pas faire ça partout. Ouais, c'est ça. Tu fais ça sur, je sais pas, 143. Déjà, juste au terminus, 143, ça m'avait saucé. Hein? Ouais, parce que, tu sais, j'avais mis la caméra et tout. Et ça a dit, ouais, ça filme quoi? Je dis, ouais, ça filme l'avant, ça vous filme pas. Ouais, ça crie et tout, ouais, non, il sort toutes les excuses du monde. Je dis, oui, monsieur, au revoir. Et là, ils ont rien à faire. Mais c'est ça, ça y est. Mais ton derrière. Va t'asseoir, c'est bon. Je sais pas, t'es assez intelligent pour voir que la caméra est orientée. Oui, c'est pas comme si l'objectif il était sur toi, quoi. C'est pas comme si c'était un reporter avec une grosse caméra. Oui, voilà. Encore, je filmerais dans son sens. Je peux comprendre qu'il voilà, ça pose problème. Problème. Mais là, ça te filme pas. En plus, je lui ai bien dit, hein, ça vous filme pas vous, ça filme l'avant. Mais il continue. Et il y a des gens, ils sont juste là pour s'embrouiller, pour vous casser la vie. J'avais pensé à filmer la ligne 27, mais...
connais pas de conducteur là-bas. Ouais, il y a un ouais, c'est bizarre, ça, j'avais vu, Christophe, il avait fait 100 000 vues sur la vidéo. 100 000 Ouais, 100 000, 99, 100 000. 100 000, ouais. Je sais pas, il est empoché combien. 6 chiffres. Allô. Allô. Dépêche-toi, putain. Ah ouais, comment elle est rentrée? Putain. Je suis à Paris. Moi, je pensais que c'est l'heure de prochain. Pour préparer la prochaine. Bonsoir, merci, monsieur. Bonsoir. T'as dit lui, elle est là. C'est 393, il a fait 87K. Il a fait une vidéo sur le porte-à-faux avant et arrière. Et celle-là, elle a fait beaucoup. 106K, va comprendre. Expliquer ce que c'est le porte-à-faux avant, mais 106K. Mais tu sais qu'en vrai, ça paraît con comme vidéo, mais c'est super intéressant. Ouais, ouais, ça pour permet aux gens de. Puis même les gens et tout, que ce soit l'automobiliste lambda, il va tomber sur cette vidéo. Il va comprendre pourquoi le bus il prend large, pourquoi le bus il a besoin d'espace quand il tourne, pourquoi si, pourquoi ça. Ouais. Genre aussi pour les nouveaux conducteurs, tu vois, qui sachent que tu vois par exemple, ils peuvent utiliser le porte-à-faux pour passer au-dessus du comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi quand j'étais à l'auto-école, le groupe que j'avais, on était 4 à chaque fois à conduire, et les 3 en fait ils avaient peur de faire passer le porte-à-faux du dessus de l'autre. Ah oui, c'est toi. En fait, ils n'arrivaient pas à se mettre en tête que les roues elles sont. Deux mètres derrière, donc si le trottoir il est pas assez haut comme là, tu peux balayer. Ah, c'est vrai que là en dessous il y a rien, tu vois. C'est ça. Donc, comme dans la vidéo de Christophe, la vidéo de 390. Sur cette vidéo là, il montre le 393 au terminus. Sur le, quand il fait le demi-tour. Ouais. Ah, ceci, ouais. Tu vois comment le porte-à-faux. Ouais, il est vraiment au-dessus du trottoir. C'est ça, et si tu l'utilises pas, en fait tu montes sur le trottoir à gauche. Où, ça, en fait, ça te la chose difficile en fait, c'est peut-être.